Salut tout le monde. Oh la vache. Bon, vous le savez, c'est la fin de l'année. On va pas rater une bonne occasion de s'amuser, mais avant de commencer à allumer tous ces petits feux d'artifice, petit mot de précision, comme d'habitude, vous le savez. Ça peut être super dangereux. Les feux d'artifice, faut vraiment pas déconner avec, faut vraiment savoir ce qu'on fait. Là aujourd'hui, on a un artificier qui est avec nous. Ici, le maire de la ville a été prévenu, on a toutes les autorisations qu'il faut. On va aller sur un terrain où on va embêter personne, où on a également les autorisations, donc on va vraiment faire ça bien. Faut que ce soit divertissant pour vous et pour nous. Vous allez nous voir faire les cons. C'est pas pour ça qu'on sait pas exactement ce qu'on fait. Donc s'il vous plaît, si vous ne savez pas maîtriser ces trucs, ne prenez pas de risques. On y va ? Bon, ça y est, on est dans notre terrain. Vous voyez qu'on a un petit micro-ondes qui est là-bas. Mais c'est évident, les gars, évidemment qu'on va commencer à faire péter un micro-ondes. Donc ici, j'ai un joli petit pétard que j'ai renommé le détartreur. Hein, voilà. Donc c'est un très gros pétard. Hein, donc je pense qu'on va le faire sauter. À moins que... Ah ouais, avec ça, ce sera plus marrant. Ah, ce sera... Un petit dénoyauteur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Bon. C'est bon? Le démon de Jésus est entré en moi. Oh, oh la vache! Oh ça cogne! Oh ça cogne! Il se peut qu'on ait perdu une table. Je vais demander au SAV, il y a peut-être moyen de réparer ça, mais... Ça c'est le micro-ondes dans le sol là. On a fait le café là. Il n'y a plus rien. Ça, c'est à vous ça? Je crois que vous l'avez perdu tout à l'heure. Il y a eu un flash et je me rappelle plus. Elle était belle la fireball quand même. Hein. Bah, je crois qu'on a bien amorcé nos fêtes de fin d'année là. Ça y est. Je crois qu'on est chaud. Allez, on y va. Cette fois-ci, on va repartir un peu sur de la cuisine. Fais-nous voir, allez. Oh. Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est très très belle. Et on va envoyer cette fois-ci le détartreur plus modeste. Mais qui devrait nous faire un beau petit largage. Appelez-moi Jackie Camionneur, c'est parti. Et Thomas Pesquet, attrape! Elle est bien partie à 70 mètres, hein. Attendez, pardon. Elle est bien partie à 70 mètres, oh. Ah oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle un beau petit cratère, vous voyez, les amis. Ça, là, tu plantes des carottes, là. Là, tu plantes tes patates, là-dedans, tu vois. Ça te nique une main, ça te casse une vie, ça te détruit une carrière. Bon, allez, on continue. Prochaine étape, on continue un petit peu la cuisine. Cette fois-ci, on va voir si on peut l'envoyer encore plus haut avec le dénoyauteur. 4 fois plus puissant. Ils avaient dit 10 minutes de cuisson. Voilà. Et j'ai plus de marmite. Il a pété fort, hein. Alors ça, c'est Chris. Avec son Inspire One. Yeah. Il veut fixer ça dessus. Alors, ça va, les chandelles romaines qui tirent des boules de couleur comme ça. Eh ben, on nous a filé ça. Apparemment, c'est un très très gros modèle. Ça tire 250 coups, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il veut le fixer sous le drone. Donc, je vais te faire signer tout de suite la clause de non-responsabilité. Et une puis on décharge. Hein, voilà. Salut, c'est Johnny Knoxville. Aujourd'hui, dans Jackass, c'est le boulateur de mine. Et... Oh putain! Oui! Yes! It works! On a un drone qui crache des étoiles! Wouh! Oh, vas-y, fais-nous une grande ligne droite!
C'est trop bon. Ah mais les gens ils vont se dire ça y est. Bien joué. Génial. Bien joué. Ah bravo, bravo monsieur. Quelle idée de chiotte. Quel professionnel. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Plutôt sympa, ah, c'était plutôt puissant. À ce qui paraît ils ont des problèmes de canalisation ici. Donc là je vais leur fournir le désengorgeur. On y va. Ah, il va cogner celui-là. Oh l'onde de chute. Ah, elle était forte celle-là. Honnêtement, c'est une des plus fortes que j'ai prises. Hein. Oh. Et regardez. Voilà, et là, on a un écoulement parfait. Donc le désengorgeur a fonctionné. On a le siphon qui tourne, c'est nickel. Voilà, à mon avis, c'est qu'on a dû creuser. Ça a fait un trou et c'est en train de siphonner dedans. Oh, il a cogné celui-là. Oh, lampe de choc. Bon, ça y est, il fait nuit. Et là, on va pouvoir s'attaquer avec notre ami l'artificier. Fais coucou. Coucou. Donc là, on va. C'est chaud. Donc là, on a notre petite bouteille qui sont prêtes. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'en allumer une par une, je crois qu'on va tout allumer d'un coup. Hein ? Ouais, soyons fous. Et puis on. Non, mais voilà, tant qu'à faire. On va incliner ça vers le champ, là-bas où il n'y a rien, et puis on envoie. Ah oui. Voilà. C'est les punis ça. Allez, c'était l'introduction. On envoie là. Bon, en fait on va envoyer les grosses dès le départ, on va pas me faire attendre. Ils sont bêtes parce qu'ils nous ont donné un tube, mais toutes les fusées elles rentrent pas dedans. Ils sont cons hein, ça sert à rien. Vas-y allume. Ouais, une par une au début quand même, 3 par 3. Ouais. Bon, pour inaugurer les grosses fusées, un petit coup de pure science. On va l'allumer à l'arc électrique. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Oh putain. C'est go. Attention. Cours, vas-y, cours. Oh là là, c'est à toi. Oh là 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 là. Il nous en reste toujours de ces trucs hein. T'en prie, vas-y, fais-nous l'honneur et oh merde, on va se barrer là. Je vais utiliser ça pour la femme olympique, c'est quand même plus fun. Vive la reine. Ça c'est une honneur. Ouais, t'as envie de les toucher toi. Non, c'est pas ça. Ce qui est plutôt bon, c'est quand la munition commence à être faite de manière, de matière très compacte. Ah, ça c'est du papier recyclé 3e degré. Ah, c'est extrêmement compact, très solide, mais très volatile. Ah ouais, très 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 shrapnel ça. Ouh là là là. Allez. Écoute ça. Écoute celui-là. Putain, merde, il a décollé. Il a fait de la lumière aussi. Bon les gars, je vous explique. Là, ça va être le final. Alors, ce qu'on va faire, hein, ce qu'on va faire, parole de hot dog. Ce qu'on va faire, c'est que toutes ces petites batteries là, tous ces compacts, on allume tout d'un coup, hein, on envoie tout d'un coup. Donc là, on va allumer toutes les mèches, on va être à plusieurs et vous, on envoie ça le grand final. Ça, ça, c'est une bonne saloperie, ça, c'est ça. Ça, ça vient de Pologne, ça.
Vas-y. Bonne année, hein. Bon alors, on a pris des petites fusées, vous savez, les petites fusées sifflantes, les petites fusées bouteilles, machin. Le truc, c'est qu'on a demandé deux en quantité. On a oublié que c'était deux paquets de 144. Du coup, on en a un peu beaucoup. Donc je pense qu'on va essayer de tout allumer d'un coup aussi. Hein, on va voir ce que ça donne. En fait, le gros problème, c'est que ça, c'est juste la moitié. En fait. Hein, parce qu'il y en a encore autant. Tiens, Jackie. Oui, bien merci. C'est cadeau. Ah. Pour combien tu l'allumes comme ça? Beaucoup. Je veux pas qu'il bascule ce coup-ci. Putain, non. Ouais, en fait, le dernier que j'ai vu basculer, j'ai fait merde, allez, il est pas bien. C'est toi qui nous a envoyé. Comment on va allumer tout ça? J'en ai aucune idée, mais c'est ça qui me plaît. Regarde, qu'est-ce t'en dis de notre petit gâteau? Ça va siffler. Ah, ça va siffler. Ça va siffler. Et qu'est-ce qui va siffler le plus, nos oreilles ou ça? Je sais pas, il faut souffler sur les bougies après. Allez, attention les oreilles. Elle a maniqué l'oreille. Oh la conne, elle a maniqué celle-là. Il a pété entre les jambes. Ah, j'en voyais qu'il me partait dans les guibolles aussi. Hein. Je crois qu'on a compris pourquoi il fallait pas faire ce genre de truc. Et on dit merci lunettes de sécurité. Hein. Oh, il y en a qui pétait là. Oh, ça siffle un peu. Tu dis quoi? Hein? J'entends plus. Qu'est-ce que tu dis? Comment? Très solide, mais très volatile. Ouais. Ah, on a un petit gâteau pour la fin. Bon les amis, c'était... Oh la vache. C'était une petite journée forte en artifice. Hein. Donc, alors je tiens à remercier déjà JC qui est là. Merci pour ton coup de main, notre artificier sur place. Merci à Raphaël qui est derrière la caméra, qui nous a filmé tout le long. C'était impeccable. Oh. Mais il craint rien, il est artificier. Donc voilà, merci à tous pour avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager si vous trouvez ça dingue. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez des trucs qui claquent, des trucs qui en jettent. Du scientifique, du fun, tout ça, c'est sur ma chaîne, donc abonnez-vous. Ciao tout le monde.